Dragonborn. Mec, déjà, achète-toi une façon de parler. T'es gay ou pas? Tiens, c'est toi qui me chie ça, non, mais faut pas déconner. C'est du racisme, là. C'est trop marrant. Ouais, c'est du racisme. D'où que les chinois, tu sais que t'es en train de... Swan, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de te faire clasher par un nain. Oh. Ah, ça se fait pas de lui parler comme ça et tout. En plus, bah, il a quoi? Il a quel âge? Moi, j'assume d'être petite taille, c'est tout, hein. Ce n'est pas très bien compris. Attendez deux secondes, les gens. Arrêtez de gueuler. Il a quel âge, le Quentin? 14 ans. Oh, mais c'est tout puissant, dis donc. 14 ans depuis avant-hier. Enfin, je pense que le plus triste de l'histoire, c'est quand même toi, Swan, parce que c'est toi qui es en train de descendre à clasher des mecs de 14 ans. Non, mais je suis obligé, tu sais, il arrive, il fait le fou dans la... Non, mais je suis désolé, tu sais. Swan, il a pas dit, en fait. En fait, c'est toi qui cherche Swan. Bien sûr. Swan, il a pas de vie. Tu peux essayer de me baiser, vous pouvez même offrir 50 mètres. Marlène, elle peut ramener son chien et son chat. Je vous baisse quand même. Vous comprenez ce que je vous explique? Quentin, t'es v'là la salope, gros. Tu peux avoir 14 ans, ça n'empêche pas que t'es inéduqué, fils de pute. Si ta grand-mère, la pute, elle a pas su savoir te donner une putain d'éducation alors qu'en France l'école est gratuite, c'est pas de ma faute, enculé. Tu comprends? À 14 ans, tu vas pas sur Skype comme ça dans des convos, il y a des méchants cybercriminels. Pour raconter n'importe quoi, espèce de singe. J'espère qu'on est d'accord, tous les deux, fils de pute. Non, ferme ta gueule, merci. Est-ce que vous prenez les douches entre garçons ou pas? Je fais pas du handball. Je fais pas du handball, pourquoi t'as des photos de handball? Hein? Ah non, c'est Jean-Marc Morlon. Est-ce que Jean-Marc Morlon a un rapport avec toi? C'est qui, lui? Ah, c'est qui, lui? C'est bizarre, il y a Quentin Lefebvre juste en dessous. J'aime pas qui c'est Jean-Marc Morlon. Non mais tu sais, c'est cramé, tu sais, parce qu'en fait tu sautes et vu la taille de tes bagues par rapport à la taille de tes dents. Mais j'ai pas de bagues, mais t'es teufé toi, franchement. Mais c'est trop pas gros, je veux dire, t'es cramé, on voit la taille de ta bouche, poteau, c'est pas possible. Léo, très bien, Léo, t'arrives pas à la faire. C'est vrai qu'il a un appareil dentaire, oulala, ça prend toute la bouche. Non, en vrai, il a pas de bagues, hein. J'étais dans sa classe. Ça prend toute la bouche. Ok, merci de l'info. Et je suis désolé, t'as pas le droit de te moquer des gens qui ont des bagues parce que j'ai eu des bagues et c'est pas drôle. Ouais, mais tout le monde se moquait de toi quand même, donc il a à subir aussi. C'est comme ça. C'est bien. Quentin Lefebvre, tu prends un swag, des swag. Alors t'attends le téléphone qui vibre. Moi j'entends la mère qui appelle derrière, genre viens là. C'est qui encore Marlène? Quentin, viens ici, faut faire changer tes grosses bagues sur tes grosses dents. Quentin, t'es où? Excuse-moi, je suis dans mon canapé devant mon PC. Attends, t'as 14 ans, t'as un PC, putain, moi je vois. Moi, à 14 ans, j'avais un vieil ordinateur et je joue encore à 10 bouts. Non, c'est quand je jouais pas à 10 bouts, je jouais à Postal, mais... Et donc Ivan, c'est tes amis que tu invites tout le temps dans tes conversations comme ça? Bah oui, bien sûr. Il a dit ça genre, non mais Ivan, tes fréquentations sont vraiment très légères, hein. Mais ferme ta gueule, quand t'es de la pute. Mais suce ma vie. Tu m'insultes de victime? Tu prends ton cas pour une généralité, mon gars. Tu m'insultes de victime? Mais Quentin, ta gueule, parle pas. Je suis désolé, mais Quentin, parle pas de ta bite, personne l'a vu et je pense que personne la verra avant longtemps. Alors arrête. T'as 14 ans, elle doit faire 6 cm, je sais même pas pourquoi tu t'excites comme ça dans la convo, fils de pute. Bon, elle est comme ça, mais on a tous encore le temps. Enfin. Ça, le mec, il a baisé les contours. Ouh! Attention, mon mec. C'est normal, tu connais. C'est normal, tu sais pas ce que c'est encore. Bah non. J'ai jamais vu de vagin. Et c'est pour ça qu'il sait pas qu'il est gay. Quand il aura vu un vagin, il va comprendre qu'il est gay. Oui. Mais ça s'entend que t'es gay, gros. Moi, je te le dis à l'avance. Dans 10 ans, tu viendras voir, tu me diras, c'est vrai, Swan. Je suis un putain de PD. Je te dirai, ouais, bah t'as vu, j'avais raison. En plus, t'avais Esteban qui tournait autour. Ouais, Et ouais, parce qu'il y a un mec qui voulait sortir avec Quentin.
Du coup, j'ai mis un râteau. Non, mais Marlène, tu veux pas commencer par t'acheter un micro, genre, et tout, ça serait pas plus simple. Parce que, bon... Et sinon, ta vie, c'est de critiquer les gens, si j'ai bien compris. Ouais, j'adore ça, donc des fois, je fais des sessions, j'ai des dossiers sur mon PC, où il y a chacune des personnes avec leurs défauts, genre, ça. J'adore c'est ça, vrai, t'as noté des défauts sur moi, c'est quoi? Non, pas toi, Léa. Oh, c'est trop mignon. Tu es bien trop parfaite. Mais oui, merci, merci. Marlène, mets des putains d'écouteurs, ouais. On s'en bat les couilles d'animer tes copines à côté de toi, tu comprends ce que je t'explique? Donc tu mets des écouteurs et arrête de casser les couilles, sinon je vais t'envoyer te coucher, Marlène. Et tu peux pas quitter la conf 30 secondes pour qu'on ait le calme? Quentin? Mais non, mais il met l'ambiance. Mais Quentin, t'es un singe, tu comprends? T'es pas intéressant. Arrête de dire ça! Mais singe, c'est comme un point virgule. Explique-moi le principe de l'insulte, t'es un singe. Oui, moi aussi, je comprends pas, en fait. Ouais, moi aussi, pas de principe, une insulte, vous êtes débile ou quoi? Raciste. C'est autant que fils de pute, c'est un point dans mes phrases, c'est comme une virgule. C'est beau. Raciste, c'est... totalement. Quand je te dis le singe, ça veut dire que t'es un putain de macaque, t'es inintelligent, t'as pas de répartie, t'as pas d'éducation. Tu vois, oui. Je suis obligé de t'expliquer ça parce que t'as pas réussi à comprendre toi-même, fils de pute. Et moi, je suis désolé. Est-ce que je t'insulte? C'est pas de vocabulaire, espèce de singe? Ah là, c'est trop. T'as pas compris parce que t'es un putain d'imbécile, gros. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse si t'es un ignorant, sombre cafard? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je comprends pas que je te baise dans tous les domaines. Cafard! Il est énorme, ce mec. Attends. Je sais pas d'où vous le sortez, hein, mais. Moi, j'avoue, je les ai rencontrés où, Swan, parce que ça m'inquiète. Non, mais il y a que le petit là que j'ai rencontré, il était chill. Mais il était avec nous dans une game avec Maître Splinter et tout ça. Ouais. Non, mais les autres petits peu là, je les connais pas. Quentin Labitte, Marlène Machin, s'en bat les couilles. Ils sont là parce que ça anime, t'as vu? Genre, on en avait. Hey, ils font des convois de 500 personnes avec des gens comme ça. Ouais, non. Jours. Si, si. Mais c'est juste de l'animation, tu sais, ils sont inintéressants, c'est un passe-temps. Une occupation d'un moment. Voilà. Ouais. C'est parce que je peux rien faire avec ma code merde. Mm-hmm. Ah bah, déjà, achète-toi un PC. Ah, mais Quentin, personne t'a demandé de faire une répartie parce que bon, t'es pas marrant déjà. Non, mais toi non plus, je t'ai pas vraiment demandé de me parler. Arrête les deux. Quentin, tu te la fermes. Quentin, toi, tu te la fermes aussi. Quentin, il a mal au ventre. Il transpire derrière son PC. Il a peur. T'as peur, Quentin? Est-ce que t'as peur? Ah oui, j'ai très peur. Ouh là là. Appelle ta mère un coup vite fait, je vais parler avec elle. Ah oui, vas-y. Putain, sur le lit, il y a des vieilles taches violettes. On dirait que j'ai eu mes règles, mais en version violette. Ça, c'est les licornes. Hein. Ça, c'est les licornes. Mais non, c'est que j'ai fait de l'aquarelle sur mon lit. Moi, j'aurais pas dû, ça attachait partout. Putain, faut que j'aille m'habiller et sortir le chien, j'ai la flemme. Marlène? Demande à Quentin, il peut le faire. Putain, mais... il parle. Non, demande à Yona, mon gars. Quentin, il fait tout. Je peux lui demander de tout faire. Quentin va me chercher un grec et une canette et tu payes, fils de pute. Tu vas le faire. Mais c'est bon, arrête de le prendre pour ta pute. Maintenant, c'est ma pute. À partir de maintenant, c'est ma petite chienne. Tous les jours, je vais la harceler. Le matin, quand je vais me lever, tu vas venir me voir et me demander si j'ai bien dormi, espèce de fils de pute. Et tu vas m'écouter quand je parle. Tu vas m'écouter et tu vas me dire c'est très bien. Bravo. Félicitations. Tu vas m'encourager dans ce que je fais. Ce que je vais te dire quand je vais me lever, je vais me dire oh, le mec Swan, c'est vraiment un gros fils de pute. Je vais l'enculer sa race. Voilà. Juste ça, wow. Je vais me dire ça. Non mais dis pas des trucs comme ça, on voit que t'es pas habitué, genre t'es un peu gêné. Oui, c'est vrai que je suis très gêné de t'insulter. Calme-toi. Oula, c'est trop violent de dire ça, oula. Pourquoi tu m'insultes déjà? Swan, tu t'es pas raconté? Parce ouais. Que tu m'insultes, t'as pas à m'insulter non plus, mec. Mais je t'ai pas insulté. Tu m'as pas insulté? Mais absolument pas, t'as une preuve. T'as l'Alzheimer. Est-ce que t'as une preuve de ça? Oui, quelqu'un a filmé, je crois. T'as une preuve de ça, Quentin? Est-ce que je t'ai insulté? Ah non, sérieux, Quentin, depuis tout à l'heure, t'es avec... T'as déjà n'importe quoi. Swan? Ouais. Il y a Bob, il y a deux jours, il a insulté la vieille en bas de Rombière. C'était magnifique. C'est pas très sexy pour une personne âgée, c'est pas gentil. C'est pas très gentil, mais c'était magnifique. C'est pas très gentil. Parce que la nana, elle est sortie de son... parce que le chien, il est en train de l'aboyer en mode « Oui, mais faites taire votre chien !» en sortant du magasin. Puis Bob, il lui a gueulé « Mais vous n'avez qu'à vous occuper de votre cul, espèce de ronvière !» Et puis moi, j'étais à la tête, j'étais mort de rire, quoi. J'étais « Putain, il est sérieux, il a vraiment senti ça. » Le respect n'existe plus. Bah, il a dit que j'allais pas la traiter de vieille pute, alors je trouvais ronvière le mot plus joli. Eh, j'ai trouvé le Facebook à Quentin. Regardez sa tête.
Oh bah elle est déjà sur Skype, sa tête, on peut chercher pas. Regardez sa tête. Non mais là c'est. Là, ouais, c'est je vais voir. Et go, balance la Chloé là. Fais un partage d'écran, Swan, je veux voir sa tête. Mm-hmm. Mais balance la Chloé, mon gars. Bon, ça quand t'as le fèvre. Tu fais du bon retard. Alors, mousse. C'était rapide. Oh, oh putain, l'exemple. Mais c'est moi. Oh là là. Avec mon petit chat et tout là. Merde, ça fait de fils de pute. Mais tu vas hacker son chat, mais t'as pas de cœur. Quand il parle, mais t'as pas de cœur. Sa tête là. T'as pas de cœur. Bah, il a vraiment pas la... il a pas la tête de la voix. Non, mais arrête, c'est trop ça. Moi, quand j'entends sa voix, je pense à ça direct. Hein. Ouais. On dirait un mec qui est passé dans tellement vrai, genre ma famille m'a renié parce que je suis laid. Tu sais, le mec là qui se branle devant Beyoncé là. Ah, qui se coule le mur et qui lèche les tétons de Beyoncé sur le Non, c'est pas Beyoncé, c'est l'autre là. Comment elle s'appelle, la blonde là? Genre, il est trop fan, il regarde Star Wars. Oui, c'est moi, c'est Britney Spears. Voilà, c'est Quentin. C'est moi, exactement. Il a pris son chat, il est fanatique. T'as une putain de moto, mon gars, elle est trop fan. Ah, t'as vu, j'ai passé mon BSR. Il habite là, c'est pas son garage, c'est sa maison. Et dis-toi que je viens juste de rentrer de la troisième, hein. T'as vu combien de fois j'ai redoublé? T'as vu, il faut arrêter de faire des blagues parce que personne se. T'as vu, j'ose pas parce qu'à chaque fois, je prends le temps. Non, en fait, tu réfléchissais parce que tu t'es dit qu'en fait, c'était pas moi. T'as bien vu qu'en fait, c'était pas moi. Non, mais tu sais, je suis pas un débile comme toi. Je veux dire, cette photo par rapport à cette photo, je suis encore faire la différence, gros enculé. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu fais une blague, je fais exprès de parler vite derrière pour éviter qu'il y ait un blanc. Oh oui. Mais si je te l'avais dit avant, ça arrive, tu l'aurais pas vu, gros. Tu l'aurais pas vu. Donc, je t'ai démontré que t'étais pas marrant. Oui. Donc voilà quoi. Je veux dire, exactement. Faut arrêter maintenant. Swan. Non mais c'est à croire que tous les Quentin Lefèvre ont une tête de con. Il y en a pas un qui a une tête normale, donc c'est difficile de trouver. Oui. Ça y est, sur Facebook, je m'appelle vraiment Quentin Lefèvre aussi. Ah hein. Je crois que c'est toi ça. Alors, moi je veux. Hey, y a Yona. Il se passe quoi là? Mais Yona, elle se ramène, elle part, on sait pas trop. Ah mais non, t'es pas noir. Excuse-moi, je me suis trompé. Fils de pute de Quentin. Ouais. Mais non, je suis noire. J'avais oublié que j'étais noire. Attends, mais arrête de parler, Quentin, s'il te plaît. Tu veux non, toi, ferme ta gueule, je suis ma bite. Oh. Yeah. Vas-y, je vais chercher. Yona, tu veux faire un truc pour moi ou pas? Yona, je te parle, putain. Quoi? Tu peux draguer Quentin, s'il te plaît? Et après, tu comprends. Ce sera trop marrant. Mais là, il va pas comprendre, il va oublier dans 5 minutes. Mm-hmm. J'en ai trouvé un avec un gros grain de beauté sur au-dessus de la lèvre. C'est peut-être lui. Ah. C'est vrai que c'est un détail. J'ai mis sur Skype son compte en vrai. Oh, t'es un fils de pute, Léo. Bah non, mais c'est mieux plutôt qu'il critique. Oh, le bâtard, ils t'ont pas respecté. Plutôt qu'il critique. Non, mais t'aurais jamais dû faire ça, gros. Je crois que t'as pas compris qu'on trouvera une critique dans n'importe quelle photo, même la plus belle du monde. C'est oh putain, j'ai trouvé le moche que tu nous as montré, là. L'argent et le succès ne changent pas les gens. Tu n'as ni l'argent ni le succès. Je t'arrête tout de suite. Ça va pas des. Ça clash. Je crois que je te connais, gros. Eh, avant, quand j'habitais vers chez ma grand-mère, genre c'était le petit peu là, vers la petite cité. Et genre, tu te mettais des doigts dans les fesses, ça faisait rigoler des copains. Je me rappelle. Quand ça date, t'avais genre 8 ans, t'étais bizarre. Ouais. Les cités, c'est là où on habite, c'est vrai. Hein, Léo? Plein de cités j'aime. Autour de chez nous et tout. C'est le turfu. Non, pas du tout. Il se passe rien, en fait. Il n'y a aucun rapport. Et dans tout ce que tu viens de dire, il y a un truc raciste, un truc qui n'a pas de sens. Illogisme total. Et en plus, on voit que tes parents sont des putains d'illettrés qui t'ont rien appris dans la vie. Donc. Ouais. Arrête de dire n'importe quoi. Regarde la tête que t'as. Qu'est-ce que tu. Mais regarde ça. Ouais. Mais regarde ça, gros. T'as pas le droit à la parole. Faut pas déconner, gros. Je préfère habiter à la cité que devant un buisson, enculé. Ah ouais. Oh putain. Tu sais que ça date d'il y a au moins 2 ans. J'en ai rien à foutre, mais cette tête, il y a 2 ans, tu l'as eu quand même, cette putain de tête. Oh, mais non, c'est Gangsta machin qui l'a envoyé. Mais il était dans la liste, en fait. Mais non, c'est pas Gangsta. Oh, la photo de chat. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as pas de cœur, Swan, mon gars. Mais ouais. T'es sérieux, t'as sport des t-shirts aussi moches, mais t'as vraiment aucun goût, mec. Mais oui, mais c'est pas... Oh. Mais voilà, je vais faire son partage d'écran, vas-y. On parle de chat, putain. Il a pas d'amis, le mec. Rien à afficher dans la catégorie ami. Sérieux? Les bats. Bon, moi j'ai envie de voir à quoi il s'intéresse parce que je suis pas seulement un fils de pute, je m'intéresse aux gens malgré sa bêtise. Oui. Oh, il s'intéresse à l'OM.
100% non. Lobby testé et approuvé PS3, le plus gros tech de Facebook. Ouais, bon, voilà, très clairement, toi, ouais. Toi, pendant les vacances, tu regardes les chiens à Miami, t'en parles avec tes copines après le soir. Bon, très clairement, c'est t'es pas ça. Intéressant complètement. Pas. Oui, c'est ça. Mystique Jojo, du prof au chômage. Putain, ça devait être trop marrant. Ouais. Voilà, donc. Ouais, Léo, la prof au chômage, c'était Madame Tissé, tu te rappelles ? Celle qui a été virée, là. Bah, Ivan et Lorenzo aussi se rappellent. Vous l'aviez ? Non. Non, vous l'aviez pas. Et vous êtes en quelle classe, dites-moi, pour rigoler un peu. On passe en seconde. Enfin, avec Quentin, on passe en seconde. Mais nous, on est en sixième secteur. Mais Swan, pourquoi je me fais passer... Tu me fais... J'ai fini le lycée il y a un bout de temps, là, maintenant, faut arrêter, quoi. Mais si, mais c'est bien, on aime bien les bitcoins. C'est pas de ma faute s'il y a des petits trollers. Non, mais là-bas, c'est que gangsta et le petit con, là. Vas-y, mais moi, tu m'aimes bien, hein, t'es un bâtard. Ah, il y a Marlène. Est-ce que vous pensez que c'est elle ? Ouais, oui, c'est elle. Oh, c'est elle. Tant mieux. Oh, tu retraces tout ça, quoi.